Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ceci ou cela. Dans le fond, ça c'est un genre de jeu où je vais nommer deux mots qui sont contrastés, puis je vais choisir celui que je préfère. Alors juste avant de commencer, oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et donner un gros thumbs up si tu as aimé la vidéo. So, let's go! Donc, café ou thé? Définitivement thé, parce que du café, j'en bois pas. J'en ai jamais vraiment bu, je trouve que ça goûte pas bon. Mais par contre, du café glacé, du McDo avec une ajout de mocha, ça j'aime ça. Sucré ou salé, en fait j'aime beaucoup les deux, mais je vais aller avec sucré parce que le chocolat bat absolument les chips et tout ça. Mer ou montagne? Je vais aller avec montagne parce que je trouve que c'est plus impressionnant de voir toutes les courbes que la planète peut avoir. Puis ben, la mer souvent... Je suis pas habituée de visiter la mer, donc pour l'instant, ça m'impressionne plus des montagnes. Blonde ou brune, je vais avec brune parce que je suis blonde. Chien ou chat, j'ai toujours eu tendance à dire chat parce que j'adore les chats, mais je vais dire chien parce que c'est tellement fun de vivre avec un chien, là, c'est juste... c'est vraiment comme mon ami. Noir ou blanc, je dis blanc parce que blanc pour moi c'est la vie et le noir c'est la mort. Superficiel, naturel, je dis naturel. Célibataire ou prise, je vais dire prise parce que c'est le fun d'être en amour. Pantalon ou jupe, je trouve que c'est super beau des jupes, mais c'est pas tout le temps confortable. Puis quand on marche, des fois ça lève, puis c'est vraiment fatigant. Fait que ben, des pantalons, il y a toutes sortes de pantalons, puis c'est bien beau. Grande ou petite, j'y vais avec petite. Campagne ou ville, j'adore la campagne, mais pour l'instant, dans mon mood d'aujourd'hui, je vous dirais que c'est la ville. Tu sais, la campagne, c'est le fun aussi, mais on dirait que c'est des fois c'est long, puis t'as rien à faire, donc. Je pense que la vue, c'est plus ce que j'aime plus. Des baskets ou des talons, donc des souliers ou des talons. Je vais définitivement avec des souliers parce que des talons, je trouve ça super beau, mais moi, je déteste porter des talons parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime porter des trucs confortables. Puis, je trouve tant pas ça confort quand que je marche avec des talons. Là. Non, j'aime pas ça. Pour vrai, je trouve tellement que les filles qui portent des hauts talons sont bonnes là, ou des talons à pointe aiguille. Je pense que je porterai jamais ça. Le jour ou la nuit, et c'est définitivement le jour parce que le jour, il y a de la lumière, puis on peut faire plein d'activités, tandis que la nuit c'est plus calme. Puis ben, c'est fait pour ton point. TV ou PC, définitivement mon PC parce que avec le PC je peux faire plein de trucs, c'est beaucoup plus utile pour aller sur internet, pour whatever, tandis que la télévision ça prend une télécommande, puis ça va de là vraiment moins bien. Fait que PC. Rouge ou bleu? Bleu. Ouais, je préfère le bleu. Puis je suis vraiment dans un mood que j'aime les couleurs pâles. Donc bleu pâle, rose pâle, mauve pâle, jaune pâle. Je trouve ça plus beau. Comme un peu les couleurs de Pâques. La lune ou le soleil, c'est un peu comme la question de tantôt. Jour ou nuit. Et je dis le soleil parce que on dirait que le soleil c'est plus la vie, tandis que la lune c'est plus la tranquillité, etc. Ange ou démon, puis ben, c'est ange. Vanille ou chocolat, et comme vous savez, définitivement le chocolat, c'est la meilleure chose au monde. Tim ou McDo? McDo à 100 000% infini, j'aime pas le Tim. Blush ou bronzer? Pour les garçons qui écoutent la vidéo, du bronzer c'est pour mettre ici en fait, c'est comme foncé, puis ça fait comme creuser les joues, tandis que du blush c'est pour venir donner un petit teint comme aux joues. Fait que j'y vais avec blush, ouais. J'aime pas tant ça mettre du bronzer, puis en fait, on dirait que c'est plus artificiel que mettre juste une petite couleur sur les joues. Gloss ou rouge à lèvres, et c'est rouge à lèvres parce que du rouge à lèvres, t'as des teintes. Moi par exemple, je porte du rouge à lèvres mat, donc ça reste les lèvres puis ça part pas. Tandis que du gloss, ça devient collant, puis c'est fatigant quand tu veux boire quelque chose puis ça colle, puis je trouve ça vraiment fatigant. Gel douche ou savon, et ben avant j'utilisais du savon, mais maintenant c'est vraiment du gel douche. Je trouve tellement que ça mousse mieux, puis il y a tellement de bonnes senteurs. Manche longue ou manche courte, et j'y vais avec manche longue parce que dans ma garde-robe, sérieusement, ça c'est un des seuls chandails, en fait c'est un crop top, mais à manche courte, j'ai la plupart, c'est vraiment toutes des manches longues. Robe ou jupe, et j'y vais avec robe parce que je trouve que c'est plus confort. Petite ou grosse boucle d'oreille, et des grosses oreilles, c'est beau quand que ça ressort. Tu sais, c'est beau quand c'est délicat, mais moi, perso, je préfère vraiment quand que ça sort puis qu'on met le paquet. Collier ou bracelet, c'est définitivement collier parce que j'aime vraiment pas porter des bracelets. Puis collier, ben j'en porte juste tout le temps des beaux petits colliers or. Fait que c'est ça, je trouve que c'est tout le temps beau d'avoir un collier avec ce qu'on porte. Frisé ou droit, moi ça me fait penser à des cheveux. Donc j'y vais avec frisé parce que ben, j'ai cheveux frisés. Puis
Avant, quand j'étais plus jeune, je préférais vraiment les cheveux droits. Je me plaquais tout le temps les cheveux parce que je détestais mes cheveux. Mais aujourd'hui, j'aime vraiment mes cheveux frisés. Clair ou foncé, moi je pense n'importe quoi, que ce soit des accessoires ou des vêtements, j'y vais avec clair parce que, encore là, je trouve que c'est beau quand c'est comme pas éclairé, mais que c'est doux, délicat. Été ou hiver, et c'est été. Maudit que j'ai hâte que l'été arrive. Printemps ou automne, et j'y vais avec le printemps. Parce que l'automne, c'est comme l'arrivée de l'hiver qui arrive, tandis que le printemps, on sait que c'est l'été qui s'en vient. Donc, j'adore ça. Et voilà, c'est toute ma vidéo d'aujourd'hui, de ceci ou cela, une petite vidéo de questionnaire. Donc, j'espère que tu as aimé. Puis, ose pas écrire quelque chose dans les commentaires. Et je te dis à bientôt!